Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spéciale. Ethiopia, abstain, France, yes, Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout! Bonjour! Bienvenue pour ce magazine consacré à l'identité et à la culture juive. Ça s'appelle Ça change tout et nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Rendez-vous proposé chaque semaine par le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Avec aujourd'hui au sommaire Alexandra Chemouni dans quelques minutes sur l'antenne. Elle est présidente du Young Leadership de Lyon et organise un grand rassemblement des jeunes adultes dans la cité des Gaules. C'est Pourim cette semaine, qu'est-ce que signifie cette fête? C'est ce que nous avons demandé au rabbin Yeshaya d'Alsace. Après le titre des informations à 19h, nous retrouverons Steve Krief. Nous reviendrons avec lui sur la toute nouvelle édition du magazine L'Arche. Enfin, quelle est la place des femmes dans Pourim? C'est ce que nous verrons avec le professeur Liliane Vanna. Un magazine avec des paroles, des invités, mais aussi des musiques. Alexandra Chemouni, bonjour.
Bonjour. Vous êtes la présidente du Young Leadership de la région Rhône-Alpes. Et le Young Leadership qui représente les jeunes militants de l'Appel Unifié Juif de France a la bonne idée d'organiser tout un week-end pour l'ensemble des jeunes Young Leadership de France. Exactement. Bah, vous avez tout dit. Très grand week-end qui va réunir des jeunes talents de toute la France. Et même d'ailleurs, puisque nous attendons des jeunes de Luxembourg, de Suisse et même d'Italie. Quand vous dites jeunes talents, de quoi parlez-vous ? Alors, je parle des jeunes actifs d'environ 25 à 40 ans, qui sont en couple ou célibataires. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce week-end-là à Lyon ? Alors, pour ce week-end, nous avons prévu un grand Shabbat plan, Kasher Badin, au thème international. Une visite de la face cachée de Lyon, une grande soirée explosive et notre brunch avec une vente de vin cachère. Donc l'idée, c'est de mettre évidemment en relation des jeunes adultes hein, qui sont un petit peu partout en France et qui se retrouvent autour de cette cause commune qui est de collecter pour la France et pour Israël. Exactement. Notre objectif est d'allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que par nos différents événements, nous permettons de financer des programmes pour aider les personnes de notre communauté en difficulté, que ce soit en France ou en Israël. Et alors, comment ça marche le Young de Lyon ? Alors, le Young de Lyon, bon, comme vous l'avez dit, j'en suis la présidente et je me suis entourée d'une équipe très dynamique, d'ailleurs que je remercie, qui permettent d'organiser, de faire pas mal de choses pour que les jeunes de notre communauté puissent se retrouver. Donc, nous organisons des after-work, des brunchs, des soirées bowling, laser game et notre fameux week-end de pourri. Alors, c'est quoi le profil de ces jeunes gens qui vous entourent ? Ce sont des jeunes dynamiques qui sont de différents métiers. Moi, je suis par exemple dentiste, il y a un journaliste, un comptable, un psychologue. Ce sont vraiment beaucoup de différents horizons qui permettent d'organiser pas mal de choses avec différentes idées et c'est très constructif et très dynamique. Alors là, vous êtes sur la radio juive de Marseille, donc ce sont les Marseillais, les Aixois qui vont vous entendre. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les convaincre de passer ce week-end de Pourim à Lyon ? Qu'il n'y a plus à attendre, qu'il faut être acteur de son avenir, qu'il faut s'ouvrir aux autres et fédérer. Fédérer surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons besoin que notre communauté soit forte, donc il faut venir à ce week-end pour rencontrer les autres pour bien sûr passer un excellent moment à Lyon. Très concrètement, comment on s'inscrit, où est-ce qu'on vous retrouve ? Alors, vous pouvez vous inscrire par la page Facebook Young Leadership Lyon, il y a le bulletin d'inscription et c'est avant le 4 mars, si possible. Donc il faut se dépêcher. Eh bien écoutez, bon week-end et Chag Sameach pour Pourim. Chag Sameach, Chag Pourim. Ça change tout. Bon village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet,
reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne ferai pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive route que tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Un jour par an, il règne chez les Juifs une ambiance assez particulière. L'étude, la concentration, le sérieux laissent place à une joie débridée. Cris, rires, déguisements, alcool et vastes banquets, vacarme dans les synagogues. Un vrai carnaval. Et en un mot, les Juifs font la fête. Que célèbre-t-il avec tant de liesse? Une histoire, peut-être même seulement une légende, on ne sait pas très bien, vieille de plus de 2500 ans. Bon, essayons de mettre un peu d'ordre dans tout cela, même si vous l'avez compris, à Pourim, il s'agit de tout sauf d'ordre. La fête a lieu vers la fin de l'hiver, le 14 Adar, qui tombe selon les années vers la fin février ou les premiers jours de mars. Comme souvent dans le judaïsme, la fête se réfère à un récit biblique. Dans le cas de Pourim, il s'agit d'une histoire très célèbre, celle de la reine Esther. Fait assez rare, dans la Bible, dans cette histoire, l'héroïne est une femme.
À l'époque où les Juifs vivaient dans l'Empire perse, c'est-à-dire après la destruction du premier temple vers le 6e siècle avant l'ère chrétienne, une jeune femme juive, choisie pour sa grande beauté, devient reine, épouse du roi de Perse qui règne alors de l'Inde jusqu'à l'Afrique. Mais le premier ministre, Aman, complote et veut faire tuer tous les Juifs. Mardoché, l'oncle d'Esther et ennemi personnel d'Aman l'antisémite, demande à sa nièce d'intervenir auprès du roi pour faire annuler le décret d'extermination. Grâce au courage d'Esther, Aman est confondu et finira pendu à la potence qu'il avait dressée pour Mardoché le juif. À la fin, tout est bien qui finit bien et les juifs sont non seulement sauvés mais débarrassés de tous leurs ennemis. Belle histoire, me direz-vous, pleine de suspense, de retournement, de pouvoir de politique et d'amour. D'ailleurs, le grand Racine lui-même ne s'y est pas trompé, qui en a fait l'une de ses plus célèbres tragédies. Autre fait exceptionnel, dans un livre biblique, Dieu est absent de toute cette histoire, du moins en apparence. Son nom n'apparaît nulle part dans le livre d'Esther. D'ailleurs, le nom Esther en hébreu signifie « caché ». Plus exactement, si Dieu est naturellement présent, il avance masqué, dissimulé sous les traits du hasard. Si les Juifs sont sauvés de l'extermination, c'est en effet grâce à une série de coïncidences et une succession de hasards providentiels. Le thème du hasard, du sort, est si important que c'est ce mot même qui a été donné pour le nom de la fête. Pour, le sort, au pluriel Purim, les sorts, en souvenir entre autres du fait que Aman, le vilain, l'antisémite, avait tiré au sort la date de l'extermination des Juifs. Ce curieux conte, digne des mille et une nuits, cherche à nous faire réfléchir au fonctionnement d'un monde livré au hasard du fait de l'absence de Dieu. L'histoire propose bien des niveaux de lecture et d'interprétation. Le texte semble tout d'abord nous dire, même si Dieu semble absent du monde, il ne faut pas désespérer, car le bien finit par triompher du mal. Mais attention, cela ne se produit que si nous savons rester vigilants, comme Mardoché, et prendre notre destin en main, comme Esther, et ne pas nous dérober à nos responsabilités. Mais le monde, et donc la destinée humaine, reste néanmoins une immense farce absurde où la catastrophe tient à un fil. Un seul projet habite Aman, détruire les Juifs. C'est une obsession chez lui. Je vous rappelle que l'action se situe voilà environ 25 siècles. Toute ressemblance avec des personnages connus ne peut donc qu'être fortuite. On oublie vite la farce pour se poser des questions d'une étrange actualité comme celle du caractère irréductible et éternel de l'antisémitisme. Aman, le tyran fou, est le descendant direct d'Amalek, archétype biblique du persécuteur des Juifs. Celui-là même qui s'était jeté sur les Hébreux dans le désert alors qu'ils fuyaient l'Égypte et que Dieu venait d'ouvrir devant eux la mer Rouge. Si Aman veut en finir avec les Juifs, c'est parce que c'est un peuple, et je le cite, séparé et dispersé. C'est-à-dire que, bien que disséminé à travers tout l'Empire perse, il sait garder sa spécificité et ne pas se mélanger avec les autres peuples. Le récit d'Esther décrit avec une étonnante anticipation la condition des Juifs en exil au milieu des nations, condition qui va durer encore comme ça 2500 ans. Il démonte avec une étonnante clairvoyance les mécanismes de l'antisémitisme. Question existentielle donc, pourquoi le mal, et les rabbins ne s'y sont pas trompés, qui ont fixé des règles strictes d'écriture et de lecture de ce texte. C'est en effet le seul texte, avec la Torah, qui doit être écrit à la plume, sur un parchemin, enroulé comme un Sefer Torah. D'où son nom de Megillah, qui veut dire rouleau. Sa lecture se fait d'une traite, dans une grande concentration, et elle est cantilée selon les règles très strictes. Chaque mot doit être bien audible, comme si chaque détail décelait un secret. Mais le public, très joyeux ce jour-là, ne cesse de faire du bruit. En particulier dès que l'on prononce le nom du méchant Aman, copieusement conspué et sifflé. «
Chaque personne suit la lecture publique dans son propre rouleau ou au moins dans un livre. Beaucoup tiennent une crécelle en main pour masquer de ce bruit de ricanement le nom de l'ennemi des Juifs, Haman. Autant dire que cette lecture est celle préférée des enfants, très attentifs à ne pas laisser un seul Haman échapper aux sifflets et crécelles. Cette lecture du rouleau d'Esther est le principal rite de Pourim, mais ce n'est pas le seul. Le jeûne d'Esther. La veille de Pourim, on a la coutume de jeûner en souvenir du jeûne que pratiqua Esther pour implorer la faveur divine. On le voit, si son nom n'est pas prononcé, Dieu n'est pas si loin. Le déguisement. C'est une coutume, au moins depuis le XVIe siècle, que de se déguiser durant cette lecture. La fête de Pourim est donc accompagnée de concours de déguisement et en Israël, il y a dans les rues de véritables défilés de chars de carnaval. Si les Juifs ont repris cette idée du carnaval vénitien, c'est qu'elle convient parfaitement au message du livre d'Esther. Ne pas dévoiler son identité, dans certains cas tromper l'ennemi, jouer avec les apparences. La lecture de la Megillah d'Esther. Nous avons déjà parlé, avons précisé, la nécessité d'une lecture rituelle avec bénédiction à partir de son parchemin. Mais précisons qu'il y a deux lectures. Une le soir, une le matin, ce qui n'a pas d'équivalent pour les autres lectures obligatoires. Mishloach Manot, il s'agit d'envoyer un repas ou de la nourriture à une ou plusieurs autres personnes. Par la solidarité et la générosité, les membres d'un groupe manifestent qu'ils ont chacun besoin de l'autre. Matanot Levionim, donner aux pauvres. Ce sont des dons faits au moins à deux pauvres durant la journée de Pourim. De nos jours, dans beaucoup de communautés, on organise une collecte au profit d'associations d'entraide. Si la pauvreté frappe au hasard, il appartient à l'homme de corriger le cours du destin tout en jouant du fait qu'on ne sait plus très bien qui envoie à qui du fait de l'usage de l'intermédiaire. Cela ressemble aussi à la manière dont Dieu agit dans notre monde, par des voies naturelles, mystérieuses et indirectes. Le Michté, le festin. Il s'agit du festin de Pourim. Il se fait normalement durant la journée après la lecture de la Megillah. Il rappelle les différents festins qui jalonnent l'histoire d'Esther et au cours desquels se déroulent des retournements de situation. Le Talmud précise qu'il faut boire jusqu'à confondre les identités. Arour Haman, Baruch Mordechai, béni soit Mardoché et maudit soit Haman. L'hébreu joue sur la proximité des mots Arour et Baruch, maudit et béni, donc jusqu'à confondre le bien et le mal. Là encore, on retrouve le thème qui traverse toute cette fête. Où se cache le bien et le mal, et qui saura les distinguer? Le Purimspiel, scène de Pourim ou théâtre de Pourim, c'est l'ancêtre du théâtre juif. Depuis le Moyen-Âge, de véritables troupes se sont formées afin d'amuser le public. Jongleurs, saltimbanques et acrobates réjouissaient les communautés juives. On jouait l'histoire d'Esther ou celle d'autres héros bibliques. Peu à peu, ce théâtre, très populaire et débordant vite de la seule période de Pourim, prit de l'ampleur jusqu'à donner naissance au théâtre yiddish, puis hébraïque moderne. Aussi curieux que cela paraisse, les fameux spectacles musicaux de Broadway trouvent souvent leurs racines dans le Purimspiel, le spectacle populaire de Pourim. Le message de Pourim est donc clair. L'homme aura beau confondre, brouiller les pistes, se travestir ou s'en remettre au sort, il existe un ordre transcendant, un ordre divin qui, même s'il ne nous apparaît pas clairement, s'impose au monde par-delà son apparent désordre. Ni la dissimulation, ni la ruse, ni la force, ni le pouvoir, ni la politique ne peuvent rien contre lui, pour autant que les hommes et les femmes sachent prendre leur destin en main. Les Chaïm. C'était le rabbin Yeshaya d'Alsace sur Pourim, mais si vous voulez approfondir cette question, n'hésitez pas à aller sur le site akadem.org, c'est une mine d'informations. Mm-hmm.
Fin de la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après le titre des informations. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour la deuxième partie de Ça change tout. Nous retrouverons le développement de l'information un petit peu plus tard sur l'antenne à venir dans ce magazine proposé chaque semaine par le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Steve Krief est le nouveau numéro du journal L'Arche. Et puis nous interrogerons le professeur Liliane Vanna sur la place des femmes dans la fête de Pourim. Plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement d'envie que j'oublie tout dans la vie. C'est en sens ce que j'aime t'embrasser. Plus tu m'aimes, plus je t'aime. J'aime t'embrasser.
Ça change tout, 18h30, 19h30. No.
C'était une partie de l'intervention du professeur Liliane Vanna. Si vous voulez l'écouter en intégralité, allez sur notre site ami et cousin www.academ.org. Vous y retrouverez cette conférence et des milliers d'autres. N'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, vous pourrez réécouter cette émission en la podcastant en allant sur Facebook Ça change tout l'émission ou sur la chaîne YouTube que nous avons créée spécialement pour vous. Vous y retrouverez l'émission dans son intégralité, vous pourrez réécouter à souhait. Vous y retrouverez celle-là et les précédentes. Il y a l'ensemble des références des intervenants que nous avons eus à l'antenne jusqu'à présent ainsi que les musiques.
Fin de cette émission, merci à Christine Bartoli qui s'occupe de nos réseaux sociaux, de Marie qui a diffusé l'émission. Xavier Nataf l'a préparée pour vous et vous souhaite une bonne fête de Pourim. À la semaine prochaine.